Bonjour à tous. Donc, nous recevons maintenant Jean-Daniel Lévy, qui est directeur du département opinion de Harris Interactive, pour nous parler de l'ambiance à la rentrée. Comment les Français se situent-ils par rapport au gouvernement, par rapport à la situation économique, par rapport aux perspectives qui s'ouvrent, qui sont parfois un petit peu inquiétantes, puisque l'incertitude continue à régner. Donc, c'est le moment un peu de faire le point, justement, sur où en est-on en France aujourd'hui. Donc, merci Jean-Daniel Lévy de nous donner un peu votre vision de sondeur et d'expert de l'opinion. Bon, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une grille de lecture en fait, qui s'inscrit aujourd'hui dans un contexte où le gouvernement et le président de la République sont dans une situation, je serais tenté de dire, plutôt confortable au regard de l'ensemble de l'environnement. Il y a une situation qui fait que, à l'issue des élections municipales, les Français ne souhaitaient pas qu'il y ait un renouvellement de Premier ministre. Et il y a eu un changement de Premier ministre où ils souhaitaient globalement qu'il y ait une réorientation politique et il n'a pas eu de réorientation politique. Un contexte où on le voit, la crise économique est relativement, voire très importante. Une crise sociale qui est là aussi relativement importante. Et puis également cette remontée tendancielle concernant les situations de santé relatives au Covid qui suscite et qui génère une inquiétude importante de la part de nos compatriotes. Et en dépit de tous ces vents qui sont des vents contraires, on est face à des Français qui ont affirmé non seulement qu'ils avaient apprécié le changement de Premier ministre, alors que ce n'était pas forcément celui auquel ils aspiraient spontanément, que globalement, il y avait des principales orientations qui leur convenaient relativement et que la confiance dans le gouvernement apparaissait comme étant relativement importante. Donc on s'attend toujours et on dit toujours, attention, la rentrée va être chaude, les Français vont être critiques, il y a aujourd'hui des préoccupations majeures et des mobilisations sociales qui peuvent être relativement importantes. Quand on prend l'ensemble du spectre, quand on prend la manière dont les Français vont juger de la classe politique, quand on voit la manière dont les Français peuvent juger aujourd'hui de l'action de la part du gouvernement, on est dans un regard qui est un regard plus mesuré. Il y a des inquiétudes qui sont là, il y a des critiques qui sont là, mais qu'on n'est pas face à une cristallisation extrêmement forte à l'égard aujourd'hui du gouvernement ou du président de la République. Donc on est dans une période où il y a un temps qui est un temps suspendu. Peut-être que ce temps est suspendu parce que d'une manière globale, les Français voient beaucoup plus le risque sanitaire que le risque économique ou encore que le risque social. Ce qui s'est passé au cours de la période récente, le fait qu'il y ait eu des aménagements qui soient proposés aux entreprises, le fait qu'il y ait eu une possibilité pour les entreprises de pouvoir proposer du chômage partiel de manière, on va dire, relativement simple, en tout cas d'un point de vue administratif. Le fait que les conséquences concrètes de ce que peuvent être aujourd'hui les plans sociaux actuels ou à venir et les conséquences de la baisse d'activité ne soient pas identifiées de la part de nos compatriotes les entraînent les uns et les autres à voir de manière plus nette le risque sanitaire, les interrogations autour de la rentrée scolaire, l'interrogation au fait de pouvoir ou d'être obligé de porter le masque, le risque en fait de contamination accrue du Covid, et donc dans ce contexte-là, des Français qui vont plus être inquiets en matière de santé qu'en matière économique et sociale. Alors ça ne veut pas forcément dire que en septembre, octobre, novembre, la situation sera identique, mais que aujourd'hui, on semble prendre beaucoup plus en compte les préoccupations à caractère global, qui sont les préoccupations à caractère sanitaire, avec des Français qui vont dire, a posteriori, peut-être que la crise, en tout cas la première vague, n'a pas été si mal gérée de la part du gouvernement. Et quand on regarde d'un point de vue global les différents acteurs, le deuxième ministre en qui les Français ont le plus confiance, c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, quand bien même on connaît la situation actuelle sur le territoire. Et donc, justement, cette confiance dans le gouvernement peut-elle durer ou est-elle justement le fait de la focalisation sur un sujet? Est-ce que, quelque part, il y a des zones à risque dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour le gouvernement? Alors, déjà, il y a eu une sorte de choc Castex, ou en tout cas de moment Castex. Un Premier ministre dont la notoriété était extrêmement faible préalablement, un Premier ministre qui a tout de suite réussi à adresser un certain nombre de messages aux Françaises et aux Français, et notamment à une partie de l'électorat qui était au centre ou à droite.
Premier aspect, dans un contexte où les élections municipales ont consacré quand même la victoire de la droite, ce n'est pas les écologistes qui ont gagné les dernières élections municipales, c'est la droite qui a gagné les élections municipales, il y a un message politique qui a été administré en disant « nous avons entendu le message des électeurs ». Premier aspect. Deuxième point, un Premier ministre qui fait la politique et qui n'est pas qu'un simple collaborateur, qui va dire faire de la politique, c'est être au contact des citoyens, c'est de pouvoir comprendre leurs préoccupations, c'est demander aux ministres d'avoir des feuilles de route qui sont des feuilles de route claires et en plus une présence sur le terrain. C'est un remaniement gouvernemental où les Français n'ont pas eu le sentiment qu'il y avait des ministres qui étaient placés en fonction de leurs enjeux politiques, mais beaucoup plus en fonction de leurs compétences. Roselyne Bachelot à la culture, ça n'est pas apparu comme étant une incongruité aux yeux de nos compatriotes. Éric Dupond-Moretti à la justice, c'est apparu comme étant là aussi une forme de cohérence. Barbara Pompili à l'environnement, et après on pourrait prendre les uns quasiment après les autres, Olivier Véran ou autre, c'est apparu comme étant une forme de logique au regard d'une expertise préalable du sujet. Et puis également, le troisième aspect, en termes de phrasé, en termes de positionnement, le fait que le Premier ministre parle des territoires, le fait qu'il soit maire, le fait qu'il ait un accent du Sud, a comblé des lacunes d'opinion ou des difficultés d'opinion qui étaient incarnées par Emmanuel Macron, parfois perçues comme étant pas tout à fait l'incarnation ou la proximité avec la France profonde. Donc il y a ce premier aspect qui a été une forme de matelas entre l'image préalable et l'image à venir. Alors, est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques, évidemment. Le risque déjà sanitaire, si jamais il devait être amené à s'accroître de manière relativement nette, si jamais il devait y avoir des mesures drastiques encore plus importantes à l'égard des citoyens, cette tension rejaillirait avec probablement une interrogation sur la capacité ou pas à pouvoir anticiper. Lors de la première vague, une interrogation sur les masques et l'absence de prévision de la part du gouvernement, du président de la République. Là, cette préoccupation est un peu moindre, mais en fait, voilà, on voit qu'elle est présente en devenir. Et évidemment, si on est face à une crise économique et une crise sociale qui se manifeste concrètement pour les Françaises et les Français, là, il y aura une tension. Là, il y aura une tension, et notamment une tension qui sera une tension assez forte autour de la question de l'égalité. La France se construit autour de cela. La France se construit autour de catégories sociales qui sont des catégories populaires et moyennes, qui ont le sentiment de faire des efforts, qui ont le sentiment de tout mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait globalement une action qui est une action qui leur permette de contribuer à l'effort collectif sans toujours attendre de la part de l'État un certain nombre de subsides, mais que si jamais, en dépit de leurs efforts, ils ont le sentiment de ne pas être aidés ou d'être pénalisés, là, il pourrait y avoir effectivement une tension nette sur le front, politique. Après la crise de 2008, après la chute de Lehman Brothers, après les tensions notamment concernant l'emploi, entre 30 et 70 000 chômeurs de plus par mois, on s'en souvient, malgré tout, l'action politique avait permis d'éviter à cette forme de critique manifeste, parce qu'il y a eu des positions qui ont été prises de la part du gouvernement, parce qu'il y a eu des positions concernant le regard à l'égard des banques, parce qu'il y a eu des positions qui ont été prises à l'égard des paradis fiscaux, et donc ça a donné à voir qu'il y avait une forme d'échappatoire, et que ça sera probablement un des enjeux pour le gouvernement de tenir compte de la manière dont la crise avait été gérée en 2008 pour voir comment celle-ci peut être gérée et éviter qu'il y ait une contestation importante de la part de nos compatriotes. Concernant donc l'avenir de l'économie, l'avenir de l'emploi, est-ce que les Français sont inquiets, se sentent concernés par justement personnellement par les risques? Est-ce que ou est-ce qu'ils sont justement pas si conscients que ça et que pour eux c'est un problème secondaire? Aujourd'hui, c'est pas tout à fait un problème secondaire, mais ça n'est pas encore un problème prioritaire. Voilà, c'est un sujet de préoccupation qui est là, qui est net, mais il est un peu gommé par la préoccupation sanitaire. On est face à des Français qui, lorsqu'ils sont amenés à hiérarchiser leurs peurs, hiérarchiser leurs craintes, hiérarchiser leurs attentes, nous parlent avant tout de la question sanitaire, en disant de toute façon, enfin, c'est la santé qui, en premier lieu, doit être le corps d'intervention et les raisons pour lesquelles il faut qu'il y ait une concentration de la part des pouvoirs publics. Et pour paraphraser un peu le président de la République, quoi qu'il en coûte. En tout cas, c'est perçu de cette manière-là de la part de compatriotes pour faire en sorte que les questions de santé soient vraiment au cœur de l'action de la part du gouvernement. Ce n'est pas si nouveau que ça. Et on voit bien poindre depuis un certain nombre d'années, tendanciellement avec une sécurisation de plus en plus importante de la société française, face à des Français qui sont de plus en plus préoccupés depuis de nombreuses années
sur les conditions alimentaires, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur globalement la qualité qui peut exister au travail, sur le burn-out, le bore-out, les préoccupations en matière psychologique, les risques qui peuvent exister, et évidemment en fait, la volonté de vivre globalement le plus longtemps possible en bonne santé, qui avait déjà un terreau qui était favorable à tenir compte justement de ces enjeux-là. Ils prennent une consonance encore plus importante à l'heure actuelle avec justement cette crise concernant en fait le coronavirus, mais on peut voir que ça n'est pas une préoccupation nouvelle, mais qui s'est accentuée du fait aujourd'hui de la tension que l'on connaît. Donc quelque part, les enjeux écologiques, environnementaux risquent d'être encore plus prégnants dans les politiques publiques, parce que ou est-ce que justement ce sujet, on en parle beaucoup, mais finalement les Français ne sont pas si en demande que ça. Alors, la deuxième motivation de vote au cours des dernières élections municipales, c'était les préoccupations écologiques et environnementales. On a pu le voir de manière très nette dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Strasbourg, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, à Poitiers. Enfin, je pense qu'on pourrait faire la liste quasiment de toutes les grandes villes, où même si les écologistes n'ont pas toujours gagné les villes, en tout cas, les préoccupations écologiques et environnementales ont été fortement représentées. Dans un même élan, ces préoccupations écologiques et environnementales ne sont pas nouvelles. Si vous prenez ne serait-ce que les dernières élections européennes, Europe Écologie Les Verts avait réalisé un score qui était un score de 13%, un peu plus de 13%, et que la deuxième préoccupation, même à cette époque-là, c'était la préoccupation écologique et environnementale. Ce qui est intéressant, c'est que derrière un terme, il peut y avoir des consonances qui sont des consonances différentes. Au cours des années 80-90 et au début des années 2000, les préoccupations écologiques et environnementales, ça renvoyait à une préoccupation en matière d'amélioration de la qualité de vie. J'ai satisfait mes besoins primaires, me nourrir, me loger, me vêtir. Je vais penser à d'autres préoccupations, et notamment les préoccupations écologiques et environnementales. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie et d'environnement, c'est une aspiration à la prendre en compte tout de suite, de manière extrêmement nette, parce que ça embrasse non seulement une thématique de santé, mais également une thématique de préservation de l'espèce humaine. Face à des Français qui disent, un, il est urgent d'agir, et deux, si on n'agit pas maintenant, on risque de mettre à mal l'avenir, globalement, du collectif au sein duquel on appartient. Un vote qui était un vote d'espoir au cours des années 90-2000 et qui devient un vote de peur à l'heure actuelle, qui est présent de manière nette électoralement dans les grandes villes de France, mais quand on regarde, même dans les communes de 3500 habitants et plus, on a une préoccupation écologique et environnementale qui est importante. Donc c'est relié effectivement aux questions de santé. Ça n'est pas une question nouvelle. Et ce qu'on a vu apparaître à la suite de la période de confinement, c'est qu'on est plus face à la confirmation ou l'accélération de mouvements d'opinion, de comportement ou d'attitude qui étaient antérieurs présentes que globalement une modification des jugements ou des préoccupations. Toutes ces préoccupations étaient là préalablement. Elles ont été accrues à la suite de la période de confinement. Donc justement, quelle autre préoccupation avez-vous vu monter particulièrement à la suite de cette période de confinement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a émergé, bon, qui était déjà présent, mais qui a vraiment pris de l'ampleur ? La préoccupation en matière de pouvoir d'achat. On le voit apparaître d'ailleurs à travers le débat sur les masques. Faut-il ou pas payer les masques lorsqu'on est parent d'enfant ? Faut-il ou pas, d'une manière générale, que ce soit une disposition qui est une disposition qui amène les uns ou les autres à considérer que c'est à l'État de payer, ou est-ce que globalement, on va être amené à considérer qu'il s'agit d'une action, qui est une action où chacun doit être amené à se protéger et donc à participer de cela. Cette préoccupation en matière de pouvoir d'achat, elle est là, elle se traverse, ou en tout cas elle se manifeste, à travers des aspects très concrets, ne serait-ce que le prix des matières premières pour les Françaises et les Français, c'est-à-dire des fruits et des légumes, qui, à leurs yeux, a augmenté au cours de cet été, a accru une préoccupation qui était déjà une préoccupation ancienne de la part de nos compatriotes. Est-ce qu'on peut déceler des traces psychologiques du confinement, de cette période qui a quand même été très particulière ? Est-ce que les Français s'en remettent ou est-ce qu'il y a quelque chose, une forme de traumatisme qui n'est pas encore complètement parti ? Alors, d'une manière ou d'une autre, on est face à une majorité de Français qui considèrent a posteriori qu'ils ont bien vécu la période de confinement, qu'ils en sont sortis et qu'au final, la situation n'a pas été aussi pénible que ça. Malgré tout, pour un quart des Français, la situation a été difficile, voire très difficile. On a beaucoup parlé de la différence que l'on pouvait avoir entre le fait d'être dans un grand logement ou dans un petit logement.
le fait de pouvoir avoir accès ou pas à l'extérieur. Donc tous ces éléments-là ont été identifiés. Ce que nous avons identifié également, c'est qu'il y a une forme de paradoxe. Le paradoxe, c'est que alors que le confinement appelait à une forme d'isolement, que lorsqu'on avait la possibilité soi-même, lorsqu'on était à plus que un dans son habitation, soi-même également quasiment se confiner dans le confinement, ça rendait les situations plus faciles. C'est-à-dire que lorsqu'on avait, notamment lorsqu'on était en situation de télétravail, uniquement un tiers des Français étaient en télétravail, mais lorsqu'on était dans cette situation-là, on avait la possibilité de pouvoir avoir une pièce à part, là, ça rend la situation plus supportable. Voilà. Et que dans ce contexte-là, on n'était pas uniquement sur un registre qui était un registre qui appelait à considérer que le confinement était très difficile. Il l'a été pour un certain nombre de Français, mais en tout cas, il a été difficile pour un certain nombre de Français qui, déjà préalablement, rencontraient un certain nombre de difficultés, soit des logements qui étaient compliqués, soit une surpopulation au sein des mêmes logements, soit une difficulté de pouvoir avoir accès à l'extérieur. Et donc, un sujet également qui semble monter, qu'on n'attendait pas, c'est concernant tout ce qui est la sécurité et le rapport aux violences. On voit que Gérald Darmanin monte au créneau de façon vigoureuse, Éric Dupond-Moretti aussi. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait s'inviter sur la scène politique des prochains mois ? Et oui, mais ce n'est pas un sujet qui est si nouveau que ça. C'est-à-dire que quand on a regardé au cours des élections municipales, par exemple, c'était une vraie thématique. C'est une vraie thématique dans quelle que soit quasiment la taille de la commune, avec une préoccupation en matière de sécurité qui a structuré assez fortement le comportement électoral. Et ce qui, même si c'est un peu caricatural, a permis de faire en sorte que la droite, d'un point de vue global, puisse réaliser le score et consolider la plupart des villes qu'elles avaient conquis, qui avaient été conquis par la droite en 2014, sachant qu'en 2014, c'était une victoire historique locale de la droite dans un contexte où François Hollande était président de la République. Donc on a effectivement ces préoccupations en matière de violence, ces préoccupations de manière globale qui visent à dire est-ce qu'on arrive à vivre tous ensemble ? Et est-ce qu'on se retrouve systématiquement dans des situations qui sont des situations d'affrontement ? On est face à des Français qui aspirent globalement à vivre ensemble, on est face à des Français qui aspirent à ce qu'il y ait une communauté nationale qui existe, à ce que ce qui nous rassemble soit plus important que ce qui nous divise, et qu'on vive globalement en sécurité. Sécurité sanitaire, sécurité en matière d'écologie et d'environnement, sécurité en matière de logement, sécurité en matière d'emploi, sécurité en matière de pouvoir d'achat, sécurité en matière pour les biens et les individus dans l'espace public. Que l'attente à l'égard du pouvoir politique, ça reste toujours une action qui est une action en faveur de la sécurisation ou de la maîtrise globalement du cours des choses pour les individus, et que dans ce contexte-là, c'est une attente qui est exprimée à l'égard de M. Darmanin. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, nommer les choses participe en fait de l'appréciation positive de la part des individus, et que le fait qu'il puisse y avoir une expression qui amène à dire « on a en tête une situation » et on a identifié qu'il y a un problème, aide globalement à croître la confiance dans les différents responsables politiques, et que l'arrivée de Gérald Darmanin dans un contexte où il y avait également un doute concernant sa probité à caractère personnel a fait que globalement les Français ont été assez mitigés concernant le nouveau poste qui lui avait été proposé, et qu'à l'heure actuelle, il y a une petite modification. Et on le voit un peu plus comme étant le ministre qui est en charge déjà de la question de sécurité. On va voir si ça se prolonge au cours des semaines ou des mois à venir. On a découvert également que finalement, pendant le confinement et encore aujourd'hui, les Français sont un peu assez disciplinés sur un certain nombre de choses. Finalement, les polémiques anti-masques qui, dans certains pays, peuvent prendre une grande ampleur en France, ne prennent pas. Enfin, il y a un soutien massif à la politique menée par le gouvernement. Finalement, est-ce que la France est un pays si latin que ça ? La France est un pays, oui, indéniablement latin. La France est un pays qui souhaite parfois s'affranchir des règles, mais là, au regard de la peur qui traverse le collectif, on est face à des Français qui disent qu'ils souhaitent mettre le masque. Ils souhaitent mettre le masque non seulement pour eux-mêmes, ils souhaitent mettre le masque parce qu'en fait, ils voient bien que ça participe, en tout cas, c'est ce qu'ils considèrent, que ça participe de la baisse de la diffusion globalement de la Covid. Et ils souhaitent mettre le masque également pour éviter qu'il puisse y avoir une forme de verbalisation de la part des pouvoirs publics. La Covid n'est pas apparue comme étant une maladie uniquement de personnes âgées.
la Covid n'est pas apparue comme étant uniquement une maladie de personnes qui étaient en difficulté préalable. Il y a eu une perception diffuse que même lorsqu'on était jeune, même lorsqu'on était plutôt en bonne santé, il y avait toujours un risque de contracter ce virus. Alors, les Français globalement sont disciplinés. Les Français, on l'a vu, ont respecté même le confinement et ne sont pas tant déplacés que cela. Et contrairement aux idées reçues, les Français sont moins déplacés, par exemple, que n'ont pu le faire les Allemands. Il y a aujourd'hui indéniablement, et cela a été dit, donc je ne vais pas m'apesantir plus longtemps que ça, mais aujourd'hui un relâchement, notamment de la part des plus jeunes qui ont un peu plus de difficultés que les autres à pouvoir accepter de respecter les gestes barrières et également globalement le port du masque. Mais quoi qu'il en soit, on est face à des individus effectivement qui globalement dans l'ensemble souhaitent développer et maintenir les gestes barrières avec malgré tout une utilisation du masque qui n'est pas forcément l'utilisation la plus optimale. Et quand on a regardé la manière dont les Français se comportaient, on voyait que 91% d'entre eux avaient une mauvaise utilisation du masque, soit qu'ils l'enlevaient par moment, soit qu'ils ne le changeaient pas suffisamment fréquemment, soit qu'ils le portaient de manière pas forcément la plus optimale, et que dans ce contexte-là, tout ceci participait effectivement à un geste qui était partagé, mais qui n'était pas toujours dans le suivi de connaissances de la manière dont il fallait objectivement le porter. Et justement, les Français sont-ils prêts à continuer encore ces gestes barrières, ce port du masque, ou est-ce qu'il y a une aspiration à un retour à la normale, quelque part à fermer la parenthèse pour reprendre comme avant? Oui, il y a une aspiration à fermer la parenthèse, et qui pourrait être contre le fait de fermer cette parenthèse? Non, il y a deux points qui malgré tout sont à relever. Un, le premier point, c'est que oui, aujourd'hui, ils sont toujours prêts à le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement effectivement d'anti-masque majeur qui existe dans la société française. Et même quand on regarde sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui existe dans d'autres types de pays, et notamment aux États-Unis, on est dans une situation qui est une situation beaucoup plus confortable, en tout cas beaucoup moins critique. Le deuxième aspect, c'est que ce qui insécurise encore plus nos compatriotes, c'est l'absence de visibilité. Il s'était dit en fait que la période de déconfinement serait une période qui nous permettrait d'ouvrir un nouvel espace, qu'ils ont suivi mai, juin, juillet, et qu'ils se sont dit « formidable, ça tient bien, et même s'il y a eu la fête de la musique, des rassemblements, etc., on n'a pas un redémarrage en fait du virus, et pour autant, on voit à l'heure actuelle le redémarrage et les interrogations qui existent sur les conditions de rassemblement, les conditions de redépart d'un certain nombre de points où il pouvait y avoir des collectifs, et puis toute la question et l'attention qui existe autour de l'école qu'on voit apparaître, notamment concernant la réouverture des écoles à partir du 1er septembre prochain. Juste avant, on a eu une table ronde sur le rebond possible pour les PME. Est-ce que le sentiment des Français évolue avec cette crise, avec... Là, on parle de renaissance aujourd'hui au MEDEF. Est-ce que les Français ont une perception différente, des attentes aussi auprès des chefs d'entreprise, des petites entreprises, des grandes entreprises? Est-ce que ça évolue, ça? Globalement, alors qu'on est dans un pays qui souvent émet des critiques à l'égard des dirigeants d'entreprise, on est face à des salariés qui disent « dans mon entreprise, ça s'est quand même plutôt bien passé ». Les masques ont été mis à disposition, le gel hydroalcoolique a été là, la réflexion autour des gestes barrières était également présente. Le sens de circulation a été indiqué, notamment dans les grandes entreprises. Lorsque j'ai été amené à télétravailler, il y avait des conditions qui ont fait que je n'ai pas eu le sentiment qu'on tirait sur la corde de manière un peu éhontée. Et donc, et que lorsqu'il y avait du chômage partiel, qu'il n'y avait pas de manière généralisée une pratique qui était une pratique de contournement. Donc il y a un regard qui a été plutôt positif à l'égard des directions d'entreprise. Ce que ça change malgré tout, ce sont des salariés qui vont venir de plus en plus avec leur casquette de citoyen au sein des entreprises. Et même au sein des TPE ou des PME, des personnes qui déjà disaient « on veut avoir une action qui est une action responsable » et qui continuent de le dire et qui le disent de plus en plus. Ils ne veulent pas, à travers leur action, contribuer négativement à l'ensemble de l'économie, à l'ensemble du climat ou à l'ensemble de l'environnement en matière de santé tel qu'il peut exister. Donc d'avoir des
salariés responsables, entre guillemets. On parle beaucoup de la responsabilité sociale des entreprises, mais on est face à des salariés qui ont également cette exigence, et que ça sera un des points, pas nouveau, parce qu'il était déjà présent, il était déjà en germe, mais qui va s'accroître au fur et à mesure que la reprise va se faire, en disant aux entreprises, nous avons également notre part de responsabilité, et donc on ne peut plus forcément complètement faire n'importe quoi. Et on voit la sensibilité qui existe aujourd'hui, de la part de l'opinion, de la part des Français, à l'égard des entreprises qui donnent le sentiment de ne pas jouer le jeu, ou de jouer, pour faire vite, individualiste, et pour caricature un peu, privilégier le marché au détriment de la santé. Y a-t-il d'autres des questions, des interrogations ? Non. Donc, ben, dans ce cas-là, il nous reste qu'à vous remercier, Jean-Daniel Lévy. Non, on avait une question sur Periscope, donc du coup je la transmets. Quel état d'esprit pour les jeunes dans cette rentrée? Parce que c'est eux qui vont le plus toucher par les problèmes de chômage. Et puis en plus, beaucoup qui devaient avoir des stages finaux, des alternances, des contrats de professionnalisation, beaucoup l'ont perdu. D'une manière générale, enfin, on sait que toutes les politiques de prévention en matière de santé ont du mal à trouver les plus jeunes. On peut voir que, même concernant par exemple le port du préservatif, que celui-ci a tendance à s'amenuiser dans un contexte où le sida n'a pas entièrement disparu, et que c'est toujours difficile de pouvoir mener des politiques de prévention, et que aujourd'hui en matière de comportement relatif aux gestes barrières, qu'on est face à des jeunes qui ont tendance un peu à se relâcher, voilà, plus se voir entre amis, plus accepter en fait qu'il y ait une forme de lien entre les individus, plus se faire la bise, boire dans les mêmes verres, aller à des fêtes où on est relativement proche, etc. Ce sont aujourd'hui des jeunes qui au départ étaient déjà inquiets et qui le sont encore plus, qui sont inquiets parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver d'activité professionnelle à l'heure actuelle, qui sont inquiets parce qu'ils ne voient pas forcément de perspective, et qui sont inquiets également parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir soit avoir un métier ou une petite activité cet été, ou un stage qui leur est proposé. Et donc, dans ce contexte-là, des jeunes qui sont préoccupés. Est-ce qu'ils le sont beaucoup plus qu'ils ne l'étaient il y a cela 6 mois? Pas forcément. Ils le sont un peu plus. Mais il faut savoir que les niveaux de préoccupation étaient déjà extrêmement importants auprès de cette population-là. Donc, là encore une fois, on est face à une accélération ou un accroissement de comportements ou d'opinions, mais qui n'est pas... On n'est pas passé d'un côté de jeunes qui étaient optimistes à des jeunes qui sont devenus pessimistes. La nouveauté, entre guillemets, c'est qu'il y avait plutôt les catégories populaires qui étaient inquiètes et les classes supérieures ou les catégories supérieures qui étaient un peu plus confiantes. Et que là, aujourd'hui, de la part des jeunes qui sont issus des catégories supérieures, qui ont plus de mal à pouvoir intégrer le monde du travail, celles-ci sont relativement inquiètes. Elles vont voir assez rapidement, et c'est pour ça que je parlais plutôt de octobre-novembre que de septembre, les conséquences concrètes, peut-être, du fait d'entrer sur un marché du travail qui est compliqué, voire qui parfois peut leur être fermé. Et donc l'action du gouvernement qui envoie des messages très régulièrement sur la situation des jeunes, est-ce que c'est de nature à rassurer, ou est-ce que les jeunes attendent de voir quand même ? Déjà, ils attendent de voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand le gouvernement s'adresse aux jeunes, ce ne sont pas les jeunes qui entendent, mais c'est les parents. Et que ça va être des points qui peuvent être de nature à pouvoir déjà rassurer les parents qui souvent sont bien plus inquiets que leurs enfants concernant aussi bien les aspects sanitaires que les aspects économiques et sociaux. Et que donc dans ce contexte-là, ça peut éviter qu'il puisse y avoir cette forme de tension supplémentaire de la part de parents. On l'a peu souligné, mais ce sont ceux qui ont été le plus en tension au cours de la période récente. Pourquoi ? Parce que cette génération, qui pour faire vite a entre 35 et 50 ans, se préoccupe pour ses enfants, et deux, se préoccupe pour ses parents. Elle se préoccupe pour ses enfants pour savoir dans quelles conditions ils pourront évoluer, est-ce qu'ils risquent ou pas de contracter la maladie, est-ce qu'ils arrivent à intégrer le monde du travail. Et puis, elle se préoccupe pour leurs parents, qui souvent sont sortis de la vie active, qui peuvent, pour partie, certains d'entre eux, être confrontés potentiellement à la maladie ou à des difficultés en matière de santé, et également à des difficultés d'un point de vue économique. Et donc, cette frange de population, c'est celle qui est vraiment charnière et celle qui est la plus en tension dans cette période de coronavirus. Merci beaucoup, Jean-Daniel Lévy, pour ce panorama de la situation, finalement, qui n'est pas si inquiétante que ça. On verra dans quelques semaines, mais pour l'instant, en fait, la situation, effectivement, n'est pas
n'est pas une révolte sociale, n'est pas une volonté absolue de renverser complètement la table, et pas non plus une focalisation sur le gouvernement qui amènera à dire qu'il serait le plus ou le seul responsable, et une attente qui existe aujourd'hui globalement à l'égard des différents acteurs, quels qu'ils soient, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une amélioration de la situation, avec peut-être quand même un point à surveiller, une méfiance des autres individus. Et c'est la première fois que, alors que la plupart du temps on dit « je fais confiance à mon prochain, je fais confiance à mon voisin, je fais confiance à une personne que je peux être amené à croiser dans la rue », là, à l'égard des individus, des Français qui disent « on souhaite vraiment qu'ils jouent le jeu et on souhaite vraiment qu'ils mettent leur masque », alors que jusqu'à présent, il y avait plutôt une focalisation sur des acteurs type l'État auxquels on peut être amené des critiques et pas forcément à l'égard des autres individus ou à l'égard de son prochain. Ben merci beaucoup. Donc rendez-vous demain matin puisque nous reprenons nos cycles de conférences à 9h30 avec un débat sur l'avenir de la presse, notamment le basculement vers le numérique qui ouvre d'immenses perspectives. Là aussi, une tendance qui s'est accélérée pendant le confinement et qui amène sans doute des bouleversements dans les mois, dans les années qui viennent. Donc nous aurons avec nous Jean-Christophe Boulanger, le président du syndicat de la presse en ligne, ainsi que Jean-Michel Miss, qui est député de La République En Marche, spécialiste des sujets numériques. Donc bonne soirée et à demain.